remontée par Lienard, ça vient au premier poteau, la tête et le but. Et le but de Marquez. Le but de Marquez pour le Racing Club de Strasbourg. L'ouverture du score pour les Strasbourgeois. Le corner de Dimitri Lienard coupé au premier poteau. Le bon retour là de Diawara avec une barrière qui va pouvoir réagir assez vite. Et puis on a des armes là, du côté de Damien Hott. Attention, cette passe en profondeur, Julie Crillon. Et l'égalisation. L'égalisation de Julie Crillon sur cette passe en profondeur dans le dos strasbourgeois. Cette remise de Kébé, Crillon tout seul, défait du marquage qui vient placer cette ligne volée malheureuse. Derrière le contrôle de Marien, un 4 contre 3. Attention à ce contrôle de Marien avec Chéret, le sort de Chéret pour Ibou Kébé, le but. Le but colmarien de Ibou Kébé. Ça fait 3 buts à 1 ici au stadium. Tour de but d'avance. La réduction du score du côté strasbourgeois. Le but de Bauken sur cette passe en profondeur. Fred Marquez qui est venu toucher la transversale. Et on va tout presser. La bonne transmission pour Brian Amofa. Un petit ballon en profondeur pour Bauken qui rentre sur la réparation. La barre. L'égalisation de Bauken. L'égalisation de Bauken. Pour le but du Racing. Ce n'était pas fini. C'était pas fini. L'égalisation de Bauken. Un missile sous la barre transversale. Moi, je connais ma commentaire quand même. Et c'est terminé ici au stadium de Colmar sur ce score de 3 buts partout.